Ah, il y a du bon monde dans ce quart de finale avec un quart notamment le vainqueur de la Coupe de France 2019. Il y a de prendre tout de suite l'avantage. Le pilote d'AZB Mix Club se détache. Pinelli Kélian, le Maximo est dans la roue avec sa plaque numéro 98. On devrait pouvoir retenir notamment à la deuxième position Ouvry Cameron, Trégueux, Côte d'Armor. Le trio de tête vient de se former, encore un nom à connaître pour une place en demi-finale. Les couleurs du Team Drôme 26 brillent sur les arrières. Mais là, actuellement, c'est Gérard Maxime. Il me semble que j'ai vu passer de Compiègne-Clairoy à la quatrième position pour une place en demi-finale. La série numéro 430 est déjà en bout de la première ligne droite. À Carléo, Enbon, plaque 69. Clément Thomé dans la roue. Ça, c'est le rider de Pernod des Fontaines avec la plaque numéro 28. On devrait pouvoir retenir sur les queues extérieures Zenoa, le big club chapelois, vient de s'emparer de la troisième position. Florusto et Chabeuil. Chabeuil et les couleurs du Team Drôme 26 dans le dernier virage. S'empare de la quatrième place. Oh, les attaques de Tony. Tony Roturier de Champais. Mais le big club Chabeuil, pardon, conservera la quatrième position. Allez, un nouveau start. Les minimes toujours et encore. Naché Romain. Il est de Breuil, le rider que l'on retient au devant de la scène. Laurent Oscar avec la plaque numéro 16 sur les arrières. Essaie de s'emparer de la troisième position, ce qui est fait bien entendu en abordant la mi-parcours. The Machine Mézian, le rider de Crangevrier, est actuellement à la deuxième place. On le retrouvera tout à l'heure en demi-finale. Et Laurent Oscar de Carquefou conservera lui la quatrième place pour une qualification. Allez, 432, dernier quart de finale. Voilà, c'est sorti. Attention au Visuian. Le rider de Dardy, il est fort bien sorti de cette grille de départ. Et lieu de s'emparer de la première position, Aurel Kilian ou Guéhansem de Mourse Roman. Guéhansem pique dans l'inter. Le rider de Mourse essaie de rentrer pour cette demi-finale. On retient Jupil Matisse. Il est devant Paris et Tavo. Il est actuellement à la deuxième place. Et il pique dans l'inter, Guéhansem. On se rend à la troisième place. Le rider de Mourse Roman est dans le coup pour une place en demi-finale. Attention à la plaque numéro 35. Qui est au cœur et Kilian, et le pilote des Ben Mirabeau prendra lui la quatrième position et se qualifiera ainsi que le Rhin.